Et coucou YouTube, c'est MiFin24. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette aventure sur le jeu de Palworld pour le 33ème épisode. C'est parti, let's go, il va falloir qu'on avance un petit peu. Et aujourd'hui on va faire la tour de la confrérie des flammes éternelles. Et pour ça, je pense qu'on n'a pas les pales qu'il faut pour pouvoir vraiment le faire correctement. Il va sûrement falloir que je capture le Mamorest, niveau 38. Par contre je sais plus, au niveau... je suis niveau 45, c'est peut-être faisable. Ah ça c'est parfait, j'avais fait des champignons marinés. Je me suis dit que je vais sûrement en avoir besoin pour pouvoir faire ceci dans de bonnes conditions. Je vais réparer également eh bien, mon stuff. Parce qu'il va vraiment le falloir. Il faut de l'huile de pâle de qualité. Ça, malheureusement, j'en ai plus. Aïe, 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 j'en ai plus du tout. Mais c'est pas si grave que ça. Là, ce que nous allons faire, c'est prendre eh bien, les pales qu'il faut pour pouvoir le capturer. Donc, je vais prendre le Bazewall. De niveau 37, ça je pense que c'est vraiment pas mal. Il va également nous falloir d'autres types de pales au niveau du feu. Pourquoi pas le Incineram. Ensuite, eh bien, je vais peut-être prendre mon Sparkit. Si j'arrive, pourquoi pas le paralyser, ça pourrait être vraiment pas mal. Et ensuite, on va prendre notre petit Spirin Nocturne et le Blazewall Nocturne. Voyage rapide et on va se rendre eh bien, directement ici. Capturer le Mamorest. Je vous rappelle qu'on avait fait vraiment pas mal eh bien de... Comment ça s'appelle déjà? De sphères. Et notamment des sphères légendaires et des ultra sphères. Je pense qu'on va le capturer avec une sphère légendaire. Au moins je suis sûr à 100% de le capturer. Il devrait avoir aucun souci. Donc c'est parti. Let's go. On va sortir notre petit pal. On va faire comme ça. Et ensuite, c'est parti. Essayons de capturer Mamorest. En espérant qu'on y arrive. Allez, allez, allez. Il y a quand même pas mal de dégâts. Hein. Faut vraiment que je fasse attention par contre aux dégâts qu'il met Incineram. On arrive à esquiver facilement les attaques. Donc on va pas prendre de risque. On va switch avec notre Blazewall. Bon, les dégâts qu'il met Blazewall, c'est impressionnant. Blazewall est vraiment impressionnant, je vous cache pas. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Le souci c'est que je pense, honnêtement je vous le dis hein, par toute franchise, je pense qu'on n'a pas les pales qu'il faut hein, pour pouvoir faire la tour en question. Non. Alors je suis rentré dans la tour, je pensais que c'était un pal de type feu mais rien à voir, c'est un pal de type électrique. Et ça c'est parfait. Je fasse attention parce que s'il met des dégâts de flamme, ça se propage sur Mamorest, ça peut le tuer. On va tenter. Attention. Attention. Et oui, c'est bon, on a capturé Mamorest. La végétation sur le dos de Mamorest varie d'un individu à l'autre. L'histoire raconte qu'il s'est fait planter une plante. J'aurai pas le temps de lire. Je pense qu'on va voir directement comme ça. Et on va descendre directement. Parce que j'aurai pas le temps de lire. J'en suis sûr à 100%. C'est toujours comme ça. Mamorest. Donc la végétation sur le dos d'un Mamorest varie d'un individu à l'autre. L'histoire raconte qu'il faisait une plante ornementale. Très prisée. À tel point qu'il nécessitait un élégage professionnel dédié. Donc il a le broyeur tellurique. Peut être utilisé comme monture pour se déplacer. Le bois, le minerai se brise plus facilement lorsqu'il est monté. Donc il y a la semence niveau 2, l'abattage niveau 2 et l'extraction niveau 2. Il donne également de l'huile de pâle de qualité, du cuir et de la viande de Mamorest. Ok. Eh bien ça fait plaisir. Donc on a un Mamorest dans notre équipe. Regardez-le, il est juste ici. C'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Allez, c'est parti, let's go. On va essayer de capturer notre Wompo Botan.
Il faut vraiment faire attention aux dégâts qu'on met sur ce pal là. Ok. Je fasse attention aux dégâts qu'il met. Aïe. Aïe 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 aïe. On va essayer de s'écarter des Capriti. Il ne gênera plus le Capriti. Allez, Baswall. Il affronte notre Wompo Botan. Il faut qu'on le capture. Vraiment pas mal mine de rien les dégâts que ça met au niveau du sol avec notre Blast Wall. Allez, continue comme ça, c'est parfait ça. Ah, il m'a touché hein. Mettre le chasseur aux griffes ardentes. Je crois que ça marche pas. Hein. Je fais attention quand même de pas prendre trop de dégâts non plus parce que ça serait vraiment dommage d'abîmer mon stuff que j'ai sur moi. Allez. Oula, il se passe des choses bizarres. Hein. Oula, c'est un peu bugué là. Hein. Tu peux me laisser charger tranquillement mon arme ou pas? Vous savez quoi, je vais prendre un risque et je vais sortir mon spark hit. Je pense qu'on va aller le capturer avec le... On va mettre les derniers dégâts avec le fusil. On va pas prendre de risque. On met pratiquement 51 de dégâts à chaque fois. Je pense qu'à mon avis il faut que je mette encore 2 balles. Et après que je lance une sphère légendaire. Et vraiment cette fois-ci je joue vraiment safe. Hein. J'ai vraiment envie de l'avoir. C'est vraiment dommage de le tuer. Ok, la sphère est lancée. Et je pense que ça passe. Hein. Oui, oui, ça passe largement. Donc on a capturé notre Wompo Botan. Objectif accompli avec succès. Ça fait plaisir. Donc il doit se trouver sûrement par là. Où tu te caches? Tiens. Je pense que je suis passé à côté. Mmh. Ah, il est ici. Donc des chercheurs ont tenté de raser toute l'herbe pour découvrir ce qui se cachait en dessous, mais ils n'ont rien trouvé, comme s'il ne s'agissait que d'une pelote d'herbe. Donc ces colosses du sud, comme compétence de partenaire, peut être utilisé comme monture pour se déplacer, porte les affaires du joueur lorsqu'il est dans l'équipe pour augmenter son poids maximum. La semence est de niveau 1. Le travaux manuels de niveau 2, abattage de niveau 3 et transport de niveau 4. Il donne des graines de laitue, des graines de tomates et également des belles fleurs. Eh bien écoute, c'est plutôt pas mal. On a donc capturé ce petit pal qui va nous servir pour la suite de cette aventure. Ah si, c'est dans un donjon. On va se rendre directement ici.
hop là, on va rentrer et on va l'affronter. Je me dis qu'un Petalia peut-être avec un level plus intéressant serait pas mal de l'avoir dans l'équipe. Et je crois qu'elle a aussi des attaques un peu dans le style... comment dire... Ténèbres, non? Je me rappelle plus. Peut-être que je me trompe. En fait, mon incinéram met beaucoup de dégâts. Hein. Elle a des attaques de type eau aussi. Intéressant ça. Je me rappelais pas. Donc là, elle a quelques dégâts de flamme. Je vais pas prendre de risque. Hein. On lance directement l'ultra sphère. Et normalement, voilà qu'on la capture. Par contre, elle a les eaux fragiles. Ah, c'est pas une bonne compétence. Hein. En parlant justement, excusez-moi, d'armes à feu. Est-ce que j'aurais pas des armes qui seraient meilleures? Je pense que si. Parce que là, il y a un fusil d'un coup. Enfin, une grande puissance de feu. Il faut des lingots de métal raffinés. Ça tombe bien parce que les lingots de métal raffinés, c'est ce que je suis en train de faire là-bas, il me semble. Tac, tac, tac. J'en ai 16. Logiquement, avec ce que j'ai dans le coffre, ça devrait suffire. Donc, on va lancer directement la production pour faire cette fameuse arme à feu. Donc, le fusil à un coup. À première vue, ça met beaucoup de dégâts. On va bien voir ça. Je suis curieux de voir. Je crois que j'ai pas beaucoup de munitions de fusil d'assaut. Je dois en avoir une vingtaine, même pas. Parfait. Donc là, on a notre arme à feu. Qui est placée directement ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça? Donc c'est bien des balles de fusil d'assaut. C'est bien ce que je pensais. Donc, on va voir ça dans nos fameux petits coffres. On va regarder un petit peu ce que nous avons. Donc, des balles de fusil d'assaut, j'ai que ça. Et c'est bien ce que je pensais, j'en ai pas assez. Ah mais attendez. Balles de fusil d'assaut. Balles de fusil d'assaut. C'est... Attendez. Avec le fusil. Ah, donc c'est celui-là qu'il nous faut. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, il faut pas se tromper, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Et bien me revoilà, c'est bon, la production est terminée. J'ai les 60 balles qu'il me fallait pour pouvoir, et bien du coup, utiliser le fusil à un coup. Donc ça met quand même 1100 en attaque. À première vue, ça fait vraiment pas mal de dégâts. Hein. Je sais pas quel niveau il est celui-là. Je sais pas, fais attention. Je crois qu'il est niveau 30. Hein. Niveau 30 terrasphère, voire même gigasphère, ça devrait passer. Hein. Allez, c'est parti. On se rend directement là-dedans. Et on va tenter de le capturer. Un Warsect. Donc c'est un insecte, hein, pour ceux qui comprennent pas, de type herbe forcément. Il est assez énervé là. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Je devrais le faire facilement. Juste que je fasse attention par contre aux dégâts des flammes. Parce que problème des dégâts des flammes, forcément, ça peut nous trahir. Ok. Restant, ça se passe plutôt, plutôt bien. En vrai de vrai. On est même très très bien. 400, je fasse attention en termes de dégâts. Ok. Là, je vais devoir faire attention. Cette fois-ci, il a pas mis les dégâts des flammes. La stop.
Oh non. Les dégâts des flammes. Je pensais que ça passerait avec la Terra. Mais c'est pas passé du tout. Aïe aïe aïe, il va falloir que j'attende pour le recapturer derrière. Bon tant pis. Je vais descendre. Je vais prendre ça du coup. Toi tu vas venir. Et on va se rendre directement là-dedans. Bon, cette fois-ci je me ferai pas avoir, je vais prendre les ultrasphères. Je pensais que ça suffisait largement les terrasphères, mais ça suffit pas. Ok, donc c'est un type herbe encore une nouvelle fois. J'ai intérêt de faire attention en termes de dégâts. Il est monstrueux ce pal, hein. Vraiment. C'est incroyable. Les dégâts qu'il met le base wall. Je suis obligé de prendre des risques. What? Ok, pas compris là. Ok, il y a des moments genre ça met des 130 et quelques et des moments des 78. 39. Je comprends pas. 78. Normalement ça devrait passer dans peu de temps. Je pensais vraiment que j'allais le capturer là. Ah je comprends pas, je suis sur lui. Hein. Ouais je suis sur lui mais je pense qu'à mon avis ça c'est le système de hitbox qui doit être buggé sur certains pals. Ok parfait, donc là il est capturé. Et on va essayer de voir un petit peu par rapport à ce pal là. Ce qu'ils disent par rapport à lui. Donc il se trouve ici. Donc il suffit à Verdash de fouler le sol pour le fertiliser et y faire pousser une herbe épaisse. Il ne s'approchera pas d'une terre traitée par l'herbicide, ce qui est logique. Donc il a la compétence de fusée de plaine, ou plutôt fusée des plaines. En combattant à ses côtés, augmente la vitesse de déplacement et confère le type herbe aux attaques du joueur. Semence niveau 2, travaux manuels niveau 3, abattage niveau 2, transport niveau 2 et collecte niveau 3. Honnêtement, c'est plutôt pas mal en vrai de vrai. Que je n'ai pas capturé encore. Hein. Ok. En termes de dégâts, il est monstrueux, hein, vraiment. Hein. Pas beaucoup d'HP. Espérons que ça suffit pour pouvoir le capturer, sinon c'est foutu. Et ça passe, hein, ça passe. Foxycle, les nuits où les aurores sont visibles, il lève les yeux vers le ciel pour hurler, ululer, excusez-moi, une douce mélodie. Toutefois, ce chant le rend vulnérable face aux ennemis. Ok. Alors, où il se trouve? Il doit se trouver plus en haut, j'imagine. Tiens, tiens, tu te caches où toi? Faut vraiment qu'il rajoute une barre, hein. Je le dis, je le redis, mais vraiment. Hein. Il faut vraiment une barre de recherche, hein. Ça serait beaucoup plus simple. Hein. Alors, ce qui me surprend, c'est que normalement, je ne l'ai jamais capturé. Pourquoi je le vois pas affiché? J'ai dû passer à côté, j'imagine. Kitsun, mais c'est pas ça. Ah, il est là. Donc, il a l'instinct boréal. Augmente l'attaque des pales de type glace lorsqu'il est dans l'équipe. Ça, c'est très intéressant, mine de rien, parce qu'on peut faire un combo avec. Je sais plus quel niveau il est, le boss ici. Niveau 40. Ah, niveau 40, je pense que c'est une ultra sphère ou une sphère légendaire, je pense. Hein. Il est joli.
Je vais tenter avec une ultra sphère, mais il faut que je fasse attention en termes de dégâts avec mon pal de type feu. Il me le faut lui, je pense en vrai. Lui, il me le faut et pareil, l'autre là qui est dans la glace, il me le faut aussi. Il va me servir à faire le la tour des flammes. Et focus sur moi pour l'instant. Moi, ça me va hein, perso. Aïe. Aïe. J'aurais dû faire une roulade. On va continuer à faire des dégâts comme ça, c'est parfait. Eh, elle commence à faire mal, hein, mine de rien. En vrai de vrai, je pense qu'elle peut me servir hein, face C'est là qu'il faut que je fasse gaffe. En fait, c'est les flammes. Vu que ça reste un peu sur le pal, ça lui met des dégâts en supplément et... vraiment faire attention à ça, quoi. Là, je vais pas prendre de risque. J'ai balancé une sphère légendaire. Ah, ça suffira pas. C'est une blague. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Hein. Vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, je vais le tuer. Il lui restait 22 HP. Je me suis dit, je vais tenter avec la torche. Hein. Donc, Sibelix. Donc, il aime la pluie et reste le plus souvent immobile lorsqu'elle tombe. Beaucoup de Fox Park viennent s'abriter en dessous. Donc, elle a la compétence vert à soi. Se tourne vers l'ennemi. Viser lorsqu'il est appelé pour l'attaquer avec la puissante compétence action skill unique easy kill machin du chouette à affecter à une ferme pour lui faire fabriquer du tissu de qualité. Donc effectivement, donc elle sert également à la pharmacie de niveau 2, réfrigération niveau 2 et la ferme niveau 1. Ça donne également du tissu de qualité et des organes de congélation. Ok, encore un foxycle. Je pourrais le... Tiens, lui je l'ai pas lui. Je sais plus. Ça me dit rien. Je pense que pour toi, il faut une ultra sphère. Hein. Voire peut-être une terra sphère. Il a le bruit d'un cheval. Je prends pas de risque. Parce qu'il est enflammé, je prends pas de risque. Je balance direct une ultra sphère, moi je suis sûr de l'avoir à 100%, c'est pas grave. Encore une nouvelle fois, dans le passé, l'erreur que je faisais c'était de pas faire ça et au final t'es perdant quand même. Donc je préfère claquer direct un truc un cran au-dessus, au moins je suis sûr à 100% de l'avoir. Donc le Riandrix. Ces bois bleus transparents reflètent le zéro absolu. Quiconque les touche à main nue verra son corps se figer instantanément avant que sa vie ne se brise en morceaux. Bon sang, je vais y arriver. Fraîcheur corporelle peut être utilisée comme monture pour se déplacer. La fraîcheur sur son dos protège de la chaleur lorsqu'il est monté. Donc abattage niveau 2, réfrigération niveau 2, ça donne de la viande, du cuir, des cornes et également des organes de congélation. En vrai, c'est pas mal. En vrai, de vrai, c'est pas mal. Par contre, j'ai toujours pas passé le... Non, toujours pas. Yeah.
Ok, on a passé un level. On est niveau 46. Ça fait extrêmement plaisir. Donc on va renforcer un statut. Je pense que en vrai de vrai... je vais peut-être renforcer les PV maintenant. Parce que je me rends compte que quand on fait des trucs, là, ça devient un petit peu compliqué. Donc on a débloqué l'armure en palladium. Plutôt paluminium. À chaque fois, je me trompe. Il y a l'homme en paluminium, le lampadaire et également un ensemble de signaux routiers et deux objets inconnus. Je pense que c'est en rapport avec des pales qu'on n'a pas capturées et c'est souvent des selles et des choses qui vont avec ces pales là. Donc ok, bon mais c'est très intéressant. Oh, il est dans la flotte comme ça là. Il va se coincer là non? Ok. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça, c'est parfait, ça. Alors je sais pas pourquoi hein, mais ils sont tous les deux bloqués. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait là. Mon pal il a pas voulu attaquer. Il était face à lui en mode on se regarde droit dans les yeux et je bouge pas. Encore une nouvelle fois ils sont en train de le faire. C'est vraiment bizarre des fois hein. Pas, il est coincé ou comment ça se passe là? Il fait trop peur. Il est vachement grand. Quand je le vois décalé comme ça, je me dis que il va me lancer une attaque, je vais prendre cher. On le voit, il essaye de... Il essaye d'avoir la position exacte pour me toucher, j'ai l'impression. Vous voyez, regardez. Il a essayé. Mmh. Je peux prendre de risques. Allez, allez. On y est presque. Hein. Je fasse attention quand même. Parce que je le connais pas trop ce pal que j'utilise. Donc j'ai un peu peur en termes de dégâts qui... Oh, les dégâts qu'il a mis. On en parle ou quoi?
Ah, il m'a touché. On t'attaque? Qu'est-ce que tu fais là? Il attaque pas? Il est bloqué ou quoi? Il me fait vraiment des trucs bizarres. Hein. J'ai plus de munitions malheureusement. On va attendre encore, ça suffit pas pour l'instant. Oh là, elle s'est mise dans une position là par contre un peu délicate là non? Je fais exprès d'essayer de prendre l'aggro mais... J'essaie de prendre l'aggro encore une nouvelle fois. Hein. 600 et quelques. Par attention là par contre. Il attaque pas, je sais pas ce qu'il fait, je comprends pas. Des fois ce... Ouais bah voilà, il est tombé KO. Je comprends pas ce qu'il fait hein. Des fois il est bloqué le pal. Genre il attaque pas, il est paralysé devant l'adversaire, je sais pas ce qu'il fait. Là encore une fois c'est pareil. Et attaque! Fait ça. .543 pratiquement. .464. Allez, continue comme ça, s'il te plaît. .344. Faut que je fasse attention parce que cette attaque là de tornade là, qu'elle utilise, ça met pratiquement quand même 100 de dégâts. Continue à mettre des attaques. Je fais quand même attention à ces attaques là, je la connais pas tellement. Voilà, bah je le dis, c'est ce qui se passe. Je connaissais pas ses, ses compétences et elle vient de me le faire. Aïe 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 aïe. Je pense que je vais le faire.
On va commencer peut-être à poser un incubateur, tant pis. On va pas perdre de temps. On va le caler ici. Tac. Parfait. Déjà, ça va faire de la place. Je vais pouvoir mettre des œufs dedans. Et... remarque, attends, je vais peut-être en poser d'autres. Hein. Et après, il va manquer de la pierre, malheureusement. Je vais juste attendre un peu. Je pense qu'en attendant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être commencer à utiliser des bouquins, de, par exemple, de formation, celui-là. Et je vais l'utiliser sur lui. Déjà rien que ça, ça fait monter vachement haut level. Je me dis derrière qu'il y a encore ça. J'ai encore ça. J'ai encore ça. Je pense qu'on va l'utiliser. Hein. Clairement. Tac, moi je suis niveau combien? 46, hein. On est bien d'accord. Tac, déjà ça fait de la place. Et je crois que j'en avais encore quelque part, non? Non, il me reste que ça après. Ok. Là j'en ai plus. Déjà d'avoir monté haut level comme ça son... ses stats, en vrai de vrai, je pense que ça va faire la diff. Hein. J'en ai un deuxième encore, on sait jamais. Normalement ça passe pas quand même, mais bon. J'ai quand même envie d'essayer de comprendre. Parce que j'ai bien l'impression que les pales de type givre comme ça, ça passe. Hein. Après il faut que je continue à le focus absolument avec mes armes à feu. Hein. Je lui fais perdre quand même pas mal de dégâts en peu de temps. Allez, let's go. On essaye comme ça. Round numéro 3. Allez, on a 10 minutes. En moins de 5 minutes, il faut que je sois au moins à 70 000. Au moins. Allez, allez. J'ai pris les focus, hein. Mmh.
Allez, continue. Fais ça, vas-y. J'ai réussi à esquiver. Allez, continue. C'est bon. Action. Continue comme ça. Faut que je sois à 70 000 à 5 minutes. Aïe aïe aïe. Minutes, on est à 59 000, on est à la moitié. Wow. J'ai pratiquement plus de balles, ça suffira pas ce que j'ai comme balles. Oh, les dégâts qu'il m'a mis. Wouh. Faut pas qu'il me touche là. Là, il faut que je régène à fond. Je rêve. J'ai plus de balles. Ah, il m'a mis des dégâts. Ok. Wow. J'ai eu chaud.
Allez, 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 allez! Ah, il se bloque dans les piliers. C'est d'une tristesse quand ça fait ça. Allez, à toi. Faut pas lâcher. Dommage que je peux pas les aider avec mon fusil. Malheureusement, je peux rien faire. Allez, allez, allez! À toi, essaie de mettre un maximum de dégâts, s'il te plaît. Allez, attaque, 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 s'il te plaît! Voilà, vas-y, vas-y. Oh! Mets-toi à la place pour l'instant. On va pas changer. Allez, continue à attaquer, s'il te plaît. Continue, 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 continue. Allez, please, 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 please. Ah, il mettra pas assez de dégâts. On est pratiquement, hein. Elle attaque pas, je sais pas ce qu'elle fait. Attaque! Qu'est-ce qu'il fait? Ils font ça. Allez, attaque! Il met trop longtemps, je sais pas ce qu'elle fait. Allez, 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 allez! Dommage que je puisse pas aider avec mon fusil. Hein. Je l'aurais tué là, je pense. Crah! Quel dommage! Je pense que je peux y arriver, mais. Je comprends pas pourquoi des fois ils sont coincés, ils attaquent pas, je comprends pas. C'est trop bizarre ce qu'ils font. Eh bien écoutez moi les amis, sur ce je vais vous laisser là-dessus. En tout cas merci à ceux qui sont passés durant le live, ça fait extrêmement plaisir. Je vais aller manger tranquillement. N'oubliez pas, très important pour ceux qui regardent la série, le petit pouce bleu de la famille, commentez, partagez, rejoignez les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez bye bye tout le monde, ciao ciao.